pourquoi ces trois jours? C'est né d'une volonté de travailler ensemble. Nous sommes, comme l'a rappelé monsieur le sous-préfet, 32 structures dans le département, et chacune avec une activité différente, chacune en travaillant dans son coin. On est tous, voilà, et on... Malgré notre volonté, c'est compliqué de travailler ensemble parce que on est pris par le temps, par les obligations. Donc l'idée, ça mûrit il y a un an à peu près, de déjà se rencontrer. On se rencontrait les structures du Nord Meusien pendant tous les mois à peu près. Et on a eu cette idée de se faire un petit peu plus connaître auprès de nos prescripteurs qui ne connaissaient peut-être pas dans le détail ce que nous faisions tous les uns et les autres. Insertion par l'activité économique est assez mal connue en fait. En termes de diversité des activités, ce n'est pas assez connu sur le territoire. Donc on a réfléchi un petit peu à ça, à savoir comment éviter des informations collectives qui sont parfois pas assez complètes, qui sortent pas, on va dire, qui ne ressortent pas le concret, on va dire, d'une structure d'insertion. Et on a pensé à l'escape game. Donc moi, je suis formé au niveau de l'escape game, ce qui m'a permis du coup d'apporter des informations concrètes sur comment on fait, quelles sont les étapes. Et puis on s'est lancé sur ce projet innovant et un projet qui ne s'est jamais développé à la fois en Meuse et sur le Grand Est, qui était donc un challenge assez intéressant à développer sur le département de la Meuse. Donc voilà, l'idée c'était d'associer à la fois le quotidien vécu par un salarié, mais aussi les activités proposées par chaque structure sur le département de la Meuse. Ce sont les prescripteurs qui ont été du coup choisis dans une première édition, c'est-à-dire qu'on a décidé de prioriser le public des prescripteurs. Pourquoi ? Parce que les prescripteurs, ce sont les personnes qui nous orientent des salariés au sein des structures d'insertion. Donc il était important de viser les prescripteurs. Quand je dis prescripteurs, donc on parle de France Travail, des missions locales, de Cap Emploi à MIF, mais aussi des MFR. Enfin, il y a beaucoup de structures différentes qui peuvent nous proposer des candidats. Donc on a visé ce public en particulier. Par contre, c'est quelque chose qui pourra s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on a le souhait aussi de proposer cet escape game à d'autres publics, hein, comme par exemple les demandeurs d'emploi, les chefs d'entreprise aussi, hein, dans toujours cette visée d'apporter une réalité de l'activité proposée par les structures d'insertion. Les sorties positives sont de l'ordre de 80%. Ça veut dire que 8 personnes sur 10 qui intègrent une structure ou un chantier d'insertion ont à la sortie soit un contrat d'intérim, un CDD, un CDI et donc derrière des perspectives d'avenir. Donc le maire que je suis, président d'Aglo et président d'un chantier d'insertion, ne pouvait qu'être là pour saluer leur travail. En quoi ce genre d'événement peut être un boost pour la ville, la région et tout justement toutes les personnes qui sont impliquées? Ça permet déjà de mieux connaître ce qu'est une entreprise ou un chantier d'insertion. Parce qu'on parle beaucoup de social. Et là, le social, c'est le vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, il y a le travailler, il y a le faire société. Et derrière, encore une fois, c'est un processus de valorisation. Travailler ensemble sur un objectif commun qui est le retour vers l'emploi, l'insertion dans sa globalité, l'insertion professionnelle mais également sociale. Et on ne peut aussi que se féliciter de l'excellent travail qui est effectué par les structures d'insertion par l'activité économique. Et on a vraiment des joyaux ici sur Verdun, mais sur l'ensemble du département. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît. Et on doit poursuivre avec un soutien évidemment important du Conseil départemental de la Meuse. Je crois comme pour les autres structures, hein, les officiels qui étaient là, monsieur le sous-préfet, monsieur le président du département, nous ont annoncé qu'effectivement, il y aurait certainement des coupes budgétaires, et ça, on l'a entendu. Donc il va falloir qu'on réapprenne à travailler différemment. Comme je le disais tout à l'heure, qu'on apprenne à travailler ensemble, peut-être à réduire les coûts, à mutualiser des postes, des choses comme ça, quoi. Mais oui, on y croit au futur, hein, on y croit. Bon, je pense qu'on a toujours des idées, hein. Si vous me demandez l'année prochaine, on a dans la tête peut-être d'organiser un défilé de mode, peut-être... L'idée c'est de toujours être en action et montrer qu'on existe et qu'on fait des choses. Et puis je voulais surtout dire merci à toutes les personnes qui ont accepté de nous suivre dans ce projet qui... Au départ, est toujours fou. Merci.